Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la suite de notre aventure sur Hogwarts Legacy avec du coup Shiroi Okami, notre personnage à serre d'aigle. Alors entre temps, du coup, je me suis amusé à faire une petite griffon d'or. Voilà, regardez-moi ça. Je la trouve trop... Oula non, pas du tout. Je la trouve trop kiki. Voilà, j'ai voulu faire une griffon d'or. Et du coup, bah voilà, parce que moi, dans tous les cas, ce let's play, on va le faire avec Shiroi Okami. Mais moi, je compte me faire un personnage pour chaque maison parce que j'ai envie de découvrir également... les autres maisons. Et voilà, elle ressemble un peu à une Weasley, hein. Voilà. C'était juste pour vous montrer les classes. Alors par contre, comment ça marche le contenu additionnel? Posséder? Oui, mais comment on l'a, en fait? Oulala, pas du tout. Parce que... Non, parce que c'est bien beau de ça, là, mais si j'ai pas, comment on fait? C'est pas grave. Bon, allez, on va continuer notre partie avec notre ami Shiroi Okami. Voilà, qui nous... Voilà, on est sardés. Parce que... J'ai kiffé franchement être à Gryffondor, je trouve que c'est grave joli. Et j'ai grave kiffé, voilà, je tenais à le dire. Et du coup, bah, on est parti, du coup là on doit faire quoi? Alors assister... Ah oui, bah oui, alors parce que du coup en off j'ai été dans la forêt interdite. Alors vous inquiétez pas, je me suis pas fait spoil, j'ai juste vraiment été au bord. Parce qu'en fait j'avais besoin de faire une quête, trouver un ennemi et faire des esquives. Et vu que j'avais pas d'ennemis dans le coin, et bah j'ai dû aller dans la forêt interdite en trouver. Et j'ai juste trouvé une petite créature, j'ai rien vu, je suis vraiment allé à 10 pour... Ah, même pas... Ah ouais, allez, 2 mètres, non. À quelques centimètres de la forêt interdite, j'ai pris 2 armes et une créature qui m'a attaqué. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, ça me manque à chaque fois, genre... je trouve ce jeu incroyable. Alors, du coup, assister au cours de défense contre les forces du mal, ok. Mais alors, par contre, attendez, dans quête, on a quoi? On a ça, trouver les baves boules, utiliser la carte des machins, d'accord. Ok. Aller sur le plateau d'attraction, ok, parler à Lucan, aux entraînements, oh, attends, ça me plaît ça, attendez, on va faire d'abord ça d'abord, on va d'abord faire ça, je veux voir ce que c'est, en tout cas on n'est pas pressé, hein, ne vous inquiétez pas, oh, c'est joli quand même, hein. Oh là là, oh, c'est joli, oh là là, c'est joli, j'adore, ah non mais moi je suis un fan, hein. je suis un enfant, Je suis un enfant, il y avait un truc ici. Revelio. Ok. Bon là c'est la nuit, hein. Comme veut Poudlard la nuit, tout le monde dort. Donc il n'y a personne dans les couloirs. Je sais même pas nous comment on fait pour ne pas se faire engueuler. Parce que normalement c'est interdit, je crois, de se balader en Poudlard la nuit. À moins qu'à cette époque-là, c'est autorisé, mais vu que le professeur Black n'a pas l'air d'être un charmant directeur, je doute sur ce sujet. Voilà. Alors. C'est parti. Hop là. Alors, je fais le chemin avec vous, parce que j'aime bien, c'est classe. Réparons. Non, pas du tout. Alors, mais vraiment pas du tout. Action. Non, alors pas du tout. Pas du tout. Voilà. Je suis couré là, mais alors laissez tomber quoi. Waouh. C'est joli. Non, mais franchement, il est beau comme jeu. Y'a rien à dire. Waouh. Mais là, faut faire quoi là-dedans? Aucune idée, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Attendre. Ah bah oui, parce que du coup, ils dorment. Oh, attends, on va attendre, du coup. Ah, il fait jour. Ah bah, tout de suite, c'est mieux. Bon. Alors, que faut-il faire? On va parler à Lucan. Bonjour, Lucan. J'aimerais m'entraîner un peu. Content que tu t'accroches. Je vais chercher le mannequin? Bon, bah, oui, du coup, hein. C'est parfait. Fantastique. Je prépare tout. Pense à... Oui, ça marche. Ok, d'accord. Ok, on va faire ça. Alors attendez, faut pas que je me gourre, parce que là du coup. Action. Incendio. Ah putain, en plus faut être rapide. Ah, c'est les touches du clavier, c'est pas facile, attendez. J'ai un petit peu de mal avec les touches du clavier. Alors attends. Action. Incendio. Voilà. Voilà, comme ça. Bon, écoute, tant mieux. Oh putain, ok, alors attends. Action. Incendio. Ok. Très bon travail.
Action. Incendio. Leviosa. Action. Incendio. Ouah, j'ai galéré là. Ouh, c'était chaud là. Alors là, je vais pas vous mentir, j'ai dû regarder mon clavier. Impressionnant. Je n'aimerais pas t'affronter dans un duel. Je n'aurais pas réussi sans toi. Merci, Lucan. Tu m'as été d'une grande aide. Oh, arrête. Tu vas me faire rougir. Bravo, vraiment. Les mannequins y réfléchiront à deux fois avant de te provoquer en duel. Je suis content de voir que tu n'as pas arrêté de t'entraîner même après avoir gagné le tournoi. Continue comme ça. Bah, c'est normal quand même. C'est normal de ouf. Ok, alors du coup... non, alors pas du tout, on va aller voir les quêtes. On va aller au Expelliarmus. Ok, on va apprendre le Expelliarmus. Trouver, bah ça c'est des quêtes secondaires, on les fera. Utiliser les bougies flottantes pour trouver le trésor. Aller sur le plateau d'attraction. Ouais, on va d'abord faire ça. On va avancer quoi. On va faire le chemin rapide. Non mais c'est le genre de jeu où j'ai pas envie de me téléporter. Genre, non mais ah, il fait jour. Bon alors là, normalement on va avoir des élèves, quoique je suis pas sûr. Ah si, c'est bon, il y a des élèves. Bonjour, vous allez en cours, bien dormi? Moi la nuit était un petit peu courte. Je peux fermer l'œil. Revelio. Non, je pensais qu'il y avait quelque chose, mais non. Bonjour. Ah. Bonjour les serpentards, bonjour les poufsouffles et Gryffondor, et bonjour les Serdaig, la meilleure team. Hein. Voilà, je suis Serdaig pour info, pour ceux qui se demandent. En fait, la première fois que j'ai fait le quiz, j'étais Poufsouffle et quelques... c'était quand que je l'ai fait? Quelques... ouais, un an plus tard ou quelques temps plus tard, quoi. Bon bah, je suis Serdaig et ça me va, c'est la maison que j'aime bien. Donc. C'est la maison qui me plaît le plus, voilà. Après, j'ai quand même voulu créer... bah, dans tous les cas, sur le jeu, je vais créer un personnage pour les quatre maisons. Parce que j'ai envie de voir à quoi ça ressemble quand même. Je suis curieux, j'ai la petite curiosité qui m'intrigue, même si l'histoire va pas changer. Mais c'est histoire de... voilà. J'ai envie de voir ce genre de choses. Ah, nous voici en cours de défense contre les forces du mal. Allez. Les avatars sont très très jolis, hein. Moi j'adore. J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé. Oui, madame. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Pour lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Oh merde, j'ai raté. Non ! Ah, merde. Ah, j'étais à quelques centimètres de réussir. C'est bon. Tout va bien. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester vous entraîner. Merci beaucoup. J'aime bien, je sais pas, à chaque fois que je pense à Expelliarmus, je pense à Rogue quand il défie l'autre professeur, là, j'oublie le nom. Expelliarmus. Alors attends, il est où? On va le mettre à la place de lui. Hein. Alors, Expelliarmus. Alors, permet de désarmer les ennemis. Ok. Ok, attendez. Expelliarmus. Vous avez l'air de progresser, mais continuez de vous entraîner. Incendio. Incendio. Action. Ok. Expelliarmus. Vous travaillez encore, à ce que je vois. Ah bah, je ne m'arrête plus. Je ne m'arrête plus. Professeur, auriez-vous un moment? Oui. Qu'y a-t-il? Avez-vous étudié à Poudlard? Je me demandais si vous aviez étudié à Poudlard. Oui. Je suis fier de représenter la maison Serdaig, tout comme vous. Oh, pourquoi cette question? Je me demandais si Poudlard avait changé au fil des années. Je vois. Eh bien, comme vous l'avez compris, le château est plein de surprises.
Je pense qu'il n'y a pas que les escaliers qui changent ici. Quant aux élèves, eh bien, ils semblent plus dégourdis cette année. Même si vous semblez tout aussi espiègle qu'à mon époque. Lorsque j'étais préfète en chef, je fermais souvent les yeux sur les taquineries des élèves. En revanche, je peux vous dire que j'ai déjà sermonné un certain Phineas Nigellus Black pour avoir mangé des plumes en sucre en classe. Je n'avais pas réalisé que le professeur Black et vous aviez étudié ensemble. Les apparences peuvent être trompeuses. Vous savez, j'ai même été blessée par le temps un jour. C'est fascinant. Enfin... Par le temps ? Je n'aurais jamais imaginé une telle chose. Eh bien, c'était le risque à prendre avec mon ancien poste. Vous avez peut-être entendu dire que j'avais été langue de plomb au ministère pendant des années. Une langue de plomb ? Qu'est-ce que... Ah ! Comme vous pouvez l'imaginer, je ne peux rien dire à ce sujet. Je dirais simplement que ce travail n'était pas sans danger. Bien, j'espère avoir satisfait votre curiosité pour l'instant. Tout à fait. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. Continuez à travailler vos mouvements de baguette. On ne sait jamais ce qui nous attend au château ou à l'extérieur. Merci, madame. Ah oui, c'est vrai, elle est serre d'aigle, elle. Expedient. Elle est serre d'aigle, c'est vrai. Alors, on peut aller faire la quête principale. J'ai pas des gants, j'ai pas de petits... Ouais, non. Oh, non, t'es pas beau avec des gants, en fait. Non, mais... Enlève-les, voilà, mets-toi main nue, là. Ah là, non. Ah là, non plus. Ah là, non plus. Ah non, 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 ah non, tu m'enlèves tes lunettes, hein. Ah non, non, non. Hein. Non, 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 ça ne te va pas. Manche à baguette, qu'est-ce que c'est? Ah, oh, dis donc. Assez flexible. Ah, intéressant, laquelle on met? On dirait un sabre laser, celui-là. On va mettre celui-là. Ouais, allez, on va se mettre celui-là. Un petit chapeau, j'ai quoi en chapeau? Rien de waouh. Écharpe peut-être? J'ai pas une écharpe... Ah ouais, allez hop, on va se mettre l'écharpe représentant nos couleurs. Ok. Ok, ok, ok. Bah du coup, on va aller dans quête du coup, et on va se prendre la quête principale, voilà. Allez, c'est parti. Et du coup, on doit aller où? Ah, elle est belle notre écharpe, et... Bah oui, forcément, la meilleure. Ah merde, je dois descendre. Ah oui. C'est compréhensible de se perdre dans Poudlard en même temps. C'est tellement compréhensible. Allez hop, bonjour. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baveboules de Zenobia cachées en hauteur dans l'école. Revelio. Ouais, bon, ça on fera cette quête là plus tard, hein, on n'est pas pressé. C'est une petite quête secondaire, mais on la fera. Ouais, je la ferai en off au pire. J'adore ça. Alors. Mmh. Oh pardon, excusez-moi, bonjour. Ah, eh, classe l'écharpe. Hein. J'adore les regarder, eux. Mais c'est eux qui se sont fait tabasser dans le couloir, je crois. Mais oui, c'est eux. Ça va, le concierge les a réparés. Waouh, oh là là, mais c'est joli, mais que c'est beau, oh là là, non mais j'adore moi, genre le fait de sortir, oh là là, je suis fan. Près de la forêt interdite, eh ben on va le retrouver, pas de problème. Oh là là, oh j'adore, non mais je crois que je suis un enfant en fait, non mais j'adore. J'adore, j'adore, le jeu est vivant, ça fait du bien. Après j'ai mis la population en extrême, ça me paraissait important pour moi de mettre, voilà, en extrême quoi. Alors, on va continuer. Non mais c'est beau, non mais moi j'adore. Ah là là, non mais je suis. Peut-être que j'en fais un petit peu trop, mais personnellement je suis. Franchement, je suis fan. Non mais je le dis clairement, j'adore. J'adore, j'adore. J'adore, j'adore. Non mais en vrai c'est beau et je suis très content. Ça fait longtemps que je souhaite un jeu Harry Potter, mais comme celui-là, genre j'imaginais dans ma tête. Il y a quelques temps, vraiment, j'imaginais, je me suis dit, ça peut être marrant, un jeu Harry Potter, un monde ouvert, on peut se balader, dès qu'on peut, voilà, un monde ouvert où c'est... Enfin, j'imaginais ce genre de jeu, et je suis très content que ce jeu soit arrivé, quoi. Il est très très bon, et je suis très content d'avoir ce jeu en main. Voilà. Et en plus, moi, alors attends, parce qu'en plus, moi, je suis pas un grand fan d'Harry Potter. Alors, je dis pas que j'aime pas,
j'aime bien, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un univers incroyable, genre c'est trop bien comme univers. Mais c'est vrai que j'ai jamais été fan des films ou voilà ou des livres en particulier. Enfin, j'ai beaucoup aimé les films, mais pas de là à être un Potterhead, un grand fan quoi. Mais j'aime beaucoup et j'aime beaucoup et voilà. Mais voilà, enfin l'univers du jeu, j'adore. Et l'univers du jeu me plaît et je suis très content de. Bah, je suis très content d'avoir ce jeu et c'est une belle découverte. Voilà. De toute façon, c'était mon premier jeu dans ma liste de souhaits. J'avais fait une vidéo dessus. C'était mon premier jeu. Dans mon top 1 de ma liste des jeux que j'attends le plus en 2023. Donc voilà. Et je suis bien content, il m'a pas déçu. Tiens. Alors, on va. Donc là, voilà, j'étais allé là et il y avait une créature plus loin, je vais vous montrer où c'est. Mais voilà, j'ai vraiment pas visité la forêt interdite, on va visiter ensemble. J'y étais de nuit, ça fait beaucoup. Ça fait peur de nuit. Voilà, il y a cette ambiance un peu pesante. Voilà. Donc moi j'étais. Alors j'étais où moi? Alors moi, non, j'étais avant, je crois. Voilà, j'ai combattu là. J'étais ici, en fait il y avait une créature dans l'eau et elle m'a attaqué là. Voilà, mais je suis pas allé plus loin, donc après ça sera... après là, c'est purement de la découverte. Là, ce que je vous montre, c'est de la découverte. Par contre, j'ai vu un extrait où il y avait des araignées, et pas des petites. Alors c'est pas que je suis... Enfin si, je suis arachnophobe, donc je suis pas très à l'aise dans le jeu avec les araignées. Je suis pas très à l'aise avec des araignées tout court, à vrai dire. Ah, oh, il y a des animaux, regardez-moi tout... Non mais il y a plein de créatures, c'est rempli. Ah, je suis désolé, je suis concentré. On a des pièces. Ok, donc c'était un camp de bandits. J'ai pas beaucoup de vie, enfin j'ai que 4 potions, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Je sais pas comment on en fait par contre. Ah bah, j'en ai 5, bah merci beaucoup. Par contre, la fille là, elle s'est évadée là, la fille au. Avec son pouvoir de feu là, son chapeau rouge là. Parce que moi j'ai rien. Je l'ai pas tué hein, elle s'est barrée, j'ai pas retrouvé. Merde, ah merde, ils sont pleins, putain. Ouais, va falloir que j'aille après là. En tout cas, il y a des bandits dans cette forêt interdite, ça porte bien son nom. Attendre, ok, ah non, me dis pas qu'on va être de nuit. Oh non. Oh si. On va être de nuit. Me voilà, comme je l'avais promis. Bonjour, Richard machin. Vous revoilà, Richard Chouka. J'imagine que je ne devrais pas être surpris de vous voir. Seul un cerf d'aigle ferait tant de chemin en quête de savoir. Bien dit. Bon, que fait-on maintenant? Suivez-moi. Je vous accompagnerai aussi loin que possible. Mais j'avoue être réticent à l'idée de retourner sur le lieu de ma mort. Essayez de trouver un bain d'oiseaux. Lorsque vous l'aurez découvert, dites « intramuros ». Je crois que c'est du latin. Ou du grec. Comme vous vous en doutez, je n'ai jamais été très attentif à l'école. D'accord. Chouka dans la forêt interdite. Ben, vas-y. À part le bain d'oiseaux, y a-t-il autre chose auquel je dois faire attention? Tout à fait. Il y a plusieurs repères. Ah non, attendez, ah non, ah, attendez. J'aimerais bien avoir un petit Lumos quand même. Histoire de... Lumos, un lac, si mes souvenirs sont bons. Cela m'aide beaucoup, merci. Wesh. Ah ce... Wesh, y'a des bruits chelous dans la forêt. Et malheureux de voir à quel point ces souvenirs me reviennent.
Ah, vache, on se chie dessus. Oui. Vous savez, plus on se rapproche, plus les souvenirs me reviennent. Il vaudrait mieux que je vous laisse faire. Adieu. Ou au revoir. Je vous le souhaite. Je dois aller où, là? Voyager était incroyablement pénible avant que ça avance. Ah mais elle doit... Bah oui, oui, je me doute bien. Je n'ai plus le choix. Je dois continuer. Tout seul. Génial. Ben, putain, elle est bien faite, la forêt interdite. Hein. La forêt interdite est bien, bien foutue. Elle est bien... Voilà. La forêt est bien faite. Un petit peu peur, là, quand même. Oh, c'est trop bien, il y a les créatures de loin, là, les trucs, les... Oh, les centaures, là, je ne sais pas comment on les appelle. Les mi-homme, mi-cheval, là, voilà les centaures. Voilà la cascade. Non ? Shuka n'est peut-être qu'un voleur, mais il a dit la vérité. Oh la vache, j'ai pas confiance. Elle a fait un petit peu noir, hein. J'ai repris de m'excuser. Waouh, par contre, waouh, oh oui, ça fait peur, hein, la forêt interdite, elle fait quand même bien flipper. Il y a une atmosphère étrangement solennelle ici. Les cerfs sont si majestueux. Ah, c'est beau quand même. Ça correspond à la description faite par Richard Shuka. Intramuros. Lumos. Pardon ? Ah ! Tu serais pas un peu loin de chez toi, hein ? Ranrock savait que vous finiriez par nous mener à votre cachette. Attendez, attendez, et attendez ! C'est pas ça, c'est impressionnant, hein ? Comment tu as fait ça ? Protego ! Quelle arrogance ! Eh ouais. Action. Et bim! Ces fidèles ne risquent plus de prévenir Ranrock maintenant. Voyons un peu ce que Shuka voulait me montrer. Oui, de ouf. Allons-y. Entrons dans le tombeau. Eh, ça les a impressionnés, hein. Alors... Je me demande à quel point c'est grand. Ah bah, j'imagine que c'est grand, oui. Je peux tirer sur le symbole, mais il ne reste pas allumé très longtemps. Je dois allumer les trois avant la fin du temps imparti. Waouh, c'est joli. Tout doit mener à cet endroit. Les visiteurs n'étaient pas les bienvenus ici. Oh non. Je me demande si mes sorts pourraient m'aider à passer. Incendio. Ah non, mais qui dit toi le dernier dit araignée. Oh non, j'ai peur. Oh là là. Oh non. Ah. Ah non, 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 je peux pas. Arrêtez. Ah, j'ai peur. Oh là là, non, 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 pas les araignées, s'il vous plaît. Pas les... Incendio. Pas les araignées, ça va. Expelliarmus. Yeah. Voilà. Je suis bestiole de merde. Expelliarmus. Leviosa, action. Mais toi. Incendio. Ça dégage. Ah non, je peux pas. Non, je suis désolé, je vais pas là-bas. Ah non, 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 je peux pas. Oh non, oh je sens que je vais pas du tout aimer cette...
Oh non, les mecs, arrêtez. Protego. Action. Oh non. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Action. Ça me dégoûte, quoi. Ah, ça me... Ah là 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 là, là j'aime pas. Mais alors j'aime pas. Si j'attirais cette plateforme jusqu'à moi, je pourrais y grimper. Mais non, c'est à quoi ça sert? Action. Ah non, merde. Ah non, attendez. Faut que je jette quelque chose là. Ça là, détruire. Oh, ou ça, au pire. Oh non, ça on va détruire. Attends. Voilà. Alors, je... Voilà, tant pis. Oh, d'accord, génial, un bonnet. Bon bah écoute, on va aller là-bas. Hein. On va aller là-bas. Ok, on y va. Allons-y. Allons-y, allons-y. Allons-y. Oui, j'ai pas pris un truc par terre, désolé. Encore une énigme. Si Richard Chouka l'a résolu, j'en suis capable aussi. Ok. Qu'est-ce qu'il voulait dans cette grotte? Sérieusement, il peut pas l'avoir perdu sur le... Non, il nous voit... Ça, ça m'énerve. J'ai pas les mots, là. Pourquoi il perd cette baguette là-dedans? Il peut pas perdre la baguette... Après là... Mais pire mission... Du jeu, bordel. Ah, j'aime pas. Ah, non, mais je vous le dis, j'aime pas. J'ai envie de me barrer de là. Rien à faire, des coffres et tout. Hein. Je peux pas. Alors là, pour moi, c'est... Heureusement que Richard Chouka n'est pas tombé là-dedans. Action. Aïe. Allez, allez, monte dessus, sois pas crétin comme ça, sois pas abruti. Allez, go. Allez. Ça m'énerve, je vous le dis. Action, protégo. Expelliarmus, incendio. Action. Expelliarmus, incendio. Ok. Leviosa. Pouah! Elle commence à piquer les bébêtes là! Elle commence réellement à piquer là! Ouah la vache! Elles font mal ces saloperies! On va monter! On va monter, je ne sais pas où aller. Allez, monte, mais monte, putain. Je sais pas où aller, mais j'y vais quand même. Je découvre des coffres alors que c'est... Un coffre intact. Richard Chouka n'a pas fouillé cette grotte soigneusement. Ce n'est pas là, je sais pas où aller, la 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 la. Je ne sais même pas d'où je viens. Voilà le pont. Ah, c'est là. Il est presque terminé. Encore alors. Des araignées. Ah bah oui, au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Protégo.
Bim. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Axio. Protego. Et... Oh non, je ne veux pas le supporter. Arrête, allez, mais attaque. Attention. Levioso, incendio. Putain, son gros, ces saloperies de merde. Ah là là, attendez. Incendio, action. Levioso. Attendez, on se calme. Incendio, action. Allez, waouh les mecs là, allez, putain mais elle va crever, oui. Ah la vache. Ah coriace, saloperie là. Incendio. Ok. Ok. Ah je commence à m'énerver là. Action. Incendio. Au revoir, monstre. J'imagine que ces armes se sont multipliées depuis le passage de Richard Shuka. Oui, non, plus jamais, frère. Plus jamais. Mais alors, plus jamais. Ouah, je déteste cette mission, bordel. Enfin, Mais je dois faire quoi, là? Attends, ok, 1, 2... Je dois trouver le symbole. Revelio. Et wesh, attendez, il est où le symbole là-dedans là ? Revelio. Voilà, ouais, je galère. Hein. Je galère. Et je crois que j'ai vu des gardes. Allez, avance. C'est étrange. J'aurais cru que Richard Shuka se serait intéressé à ce butin, mais il n'y a aucune trace de lui. Par pitié. Je dois plus être très loin du corps de Richard Shuka. Et de ses pages. Voilà Shuka, mort. Ça ne... La voilà, la carte qui a mené Shuka à sa perte. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de cette pièce? Putain! Expelliarmus devrait suffire à désarmer ses points. Allez! Ah là là, attendez! Ah, j'y arrive plus! Ah, attendez! Expelliarmus! Incendio! Ah! Expelliarmus! Levioso!
plus de potions, j'ai plus rien. Ah, bien évidemment! C'est trop beau pour être vrai. Saute, saute, esquive, esquive. Incendio. Ça pique. Attendez deux secondes. Ok, excusez-moi, j'ai... Excusez-moi pour cette ellipse. Alors on va reprendre direct. Ah putain, j'aurais jamais dû faire... Allez, salut. Voilà, ah ça... Ouais, je suis désolé, j'étais énervé. J'avais la rage. Par contre, les mecs, j'ai plus de vie, j'ai plus rien. Donc va falloir très vite me donner des potions. Oh non, non, s'il vous plaît, je peux pas combattre. On est mis là. Allez, voilà, ok. Oh la vache. Gringotts est dans la réserve de la bibliothèque. Gringotts ? Où suis-je ? Alors là, bonne question là par contre. Oh non, la salle est en train d'être inondée. Ah non les mecs, je suis très nul hein. Ah j'aime bien l'eau, c'est pas le problème. Qu'est-ce qui me protège ? Quelle sorte de magie est-ce donc ? Ah ouais ? Waouh! Espérons que cette magie me protège jusqu'à ce que j'arrive à sortir d'ici. Quel est cet endroit? C'est chelou. Oh non, pas de, par pitié, pas, j'ai plus rien là pour me battre, les mecs. Oh, bonjour. Serait-ce possible? What? C'est le mec qu'on a vu dans les visions. Donc il... Oh. C'est vous. La salle de la carte a enfin été découverte? Je vous ai déjà vu dans une porcine. Vous êtes le professeur Rackham. Tout à fait. Je dois avouer que je suis surpris de voir une si jeune personne me faire face. J'ai le même âge que vous aviez, Isidora Morganac et vous, quand vous êtes entré à Poudlard. Vous avez bien suivi. Et... J'imagine que nous partageons la même capacité. De voir des traces de magie ancienne? Oui, monsieur. Comme vous l'avez sans doute compris, notre capacité nous fait bénéficier d'une relation unique avec toutes les formes de magie. Nous avons accès à des formes de magie que peu d'autres peuvent utiliser. Des opportunités se présenteront à vous pour vous permettre de perfectionner ce rare talent. Ne les gâchez pas. C'est entendu, professeur. Merci. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais avant, vous avez trouvé cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre. Placez-le sur le piédestal. Je n'ai pas le livre sur moi, monsieur. Voilà qui est regrettable. J'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre. Pourquoi on l'appelle la salle de la carte? Vous êtes un voyant? Les statues et sculptures dans la maison sur la falaise sont à votre effigie. Vous êtes voyant? Tout à fait. Vous saviez que je serais là? Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mis à part que votre présence ne me surprend pas.
Je ne comprends pas, monsieur. Pourquoi cette salle est appelée la salle de la carte ? Tout deviendra clair lorsque vous aurez placé le livre sur le piédestal. Très bien. Je vais aller chercher le livre tout de suite. Bien. Nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal. Votre lame avec l'imagination vous a permis de débloquer des talents. Vous recevrez un point de talent chaque fois que votre niveau de sorcellerie augmentera. Vous avez de nouveaux points de talent à dépenser dans le menu talent et guide du sorcier. D'accord. Vous avez gagné un point de talent dès le niveau 5. Vous pouvez dépenser ces points de talent comme vous le souhaitez pour améliorer vos sortilèges et augmenter votre puissance de combat, votre furtivité et bien plus. Choisissez judicieusement les points de talent. Choisissez judicieusement. Les points de talent ne peuvent pas être dépensés. Les points de talent ne peuvent être dépensés qu'une seule fois. Le nombre de talents acquis est donc limité. D'accord. Magie noire. Oh, résiste. Résiste, résiste. Alors attends, déjà on va voir les sorts. Ah, ça c'est bien ça. Ça peut être pas mal ça quand même. Ça peut être pas mal. Oh, je prends ça direct. On va se prendre ça. Cœur. Ah. Le lancer de magie permet d'attraper et de lancer des ennemis désarmés. Oh. Pas mal ça. Les impacts, ok. J'ai pas un truc de soin. Les paras de Protego réussissent à remplir sa jauge de magie ancienne. Ah, alors ça je prends. Maintenant, esquiver. Ça fait quoi ? Ah, oh, oui, je prends ça aussi. C'est intéressant. Ça, je prends également. Je prends ça, par contre, j'en ai besoin. Voilà, pour l'instant, on les a équipés là-dedans. Enfin, pour l'instant, on est bien. Ok, ok. Ah, je suis content. Genre, c'est cool. Par contre, je me bouffe des dégâts des fois. Il me faut vraiment absolument que je refasse des potions. J'ai trouvé les pages et la salle de la carte. À quoi pourrait bien me servir ce livre ? Bah j'avoue, bonne question par contre. À vrai dire, on a trouvé la salle par hasard. Alors par contre, les amis, ça va être chiant. Peut-on se téléporter parce que ça va me... Ah non, c'est bon, on ressort directement. Ah ouais, putain, merci, parce que s'il fallait faire tout le chemin inverse... Je suis revenu à Poudlard. Je me demande quand reviendra le professeur Fig. Je lui ai promis de ne pas négliger mes études pendant son absence. J'imagine que j'ai de quoi m'occuper d'ici à ce qu'il revienne avec le livre. Ah, on est à Poudlard. Revelio. C'était sûr. Oh, putain, mais eux, ils arrêtent pas. Vous devez apprendre Repulso, le sortilège d'expulsion. Il est très utile pour repousser des objets ou des adversaires. Accomplissez les tâches nécessaires et retrouvez-moi dans ma salle de classe. Oui, monsieur. Aucune trajectoire. Comment ça, aucune trajectoire ? Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Attendez, quête. Obtenir et utiliser une potion de concentration. Ah, d'accord. Bah, je... Oula, ouais, d'accord. Ouais. Obtenir et utiliser une potion de concentration. Obtenir les potions Maxima et Neo, c'est les tester simultanément. C'est-à-dire... Je sais même pas où aller, là. C'est par là. Mais c'est-à-dire... Bonjour, monsieur. Enfin, bonjour, les gardes. Je sais pas où on est, hein, clairement. Là, je me...
perdre en Poudlard. Ok, on est là. Ok, on est là, il fait nuit, mais alors par contre... D'accord, ok, donc... Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais on peut attendre, genre... Il y a un bouton attendre, j'imagine que... Que ça... Bah du coup, ça fait passer la nuit au jour, etc. quoi. J'ai rien à sortir de Poudlard, les mecs, par contre. Voilà. Est-ce que j'ai de quoi... Plaisir de vous revoir. Alors, ouais, mais alors attends, parce que Videlpo, Dictane... Alors si, mais du coup c'est peut-être pas là. Alors c'est où? Oh bah alors là, je vais me poser une colle là par contre, je sais pas du tout où aller. Obtenir les potions maximum. Revelio. Bah écoutez, attendez, on va essayer d'aller après Ola, hein, écoutez. On va voir si on peut acheter un truc de potion. Voyager. Oui, c'est vrai que je ne sais pas là par contre. Alors là, j'ai un petit doute là, vous voyez-vous là? J'ai un petit doute. Parce que c'est une quête, mais j'aimerais bien apprendre. Oh putain, ça fait limite peur. Alors, c'est où le mec des potions? Nos vêtements... Ah, potions, voilà. On va attendre. Oui, on va attendre. On va passer de la nuit au jour. Un petit dodo, là. Hop. Ça va bien. Bonjour, messieurs. Vous avez bien dormi? Revelio. T'as la chance. Entrez. Les potions de soins sont notre spécialité si vous en avez besoin. Alors merci beaucoup. C'est gentil, mais alors par contre. Je n'ai pas renversé mes potions. Je doute que vous ayez de quoi les rembourser. Attendez, c'est quoi qu'il me faut? J'espère vous revoir très vite. Alors Maxima et Edurus. Maxima, Edurus. Maxima, Edurus. Alors par contre, Maxima. Alors déjà. Alors Maxima, attendez. Maxima. Alors attends. Udurus. C'est une sage décision. Merci. Et j'aimerais bien vendre des petits trucs qui me servent à rien, si possible. Très bien. Il est toujours bon de renouveler ses stocks. Et Udurus. Merci beaucoup, monsieur. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Obtenir et utiliser les potions. Tout ce dont les élèves peuvent avoir besoin. Et une potion de concentration. Prenez le temps de regarder. Putain, 500 les mecs. Wouah, hey, vous abusez là. J'ai pas autant de thunes moi. On va se calmer. J'ai pas autant de thunes. Voilà. Ah non.
Voilà. Voilà. Et là, il me faut quoi ? Potion de concentration. C'est une sage décision. Merci. Écoutez, de rien. Très vite. À bientôt. De concentration. Magnifique. Expelliarmus. Ok, d'accord. Bon, alors j'ai lancé beaucoup de pièces, j'imagine qu'on pouvait faire les potions, mais j'ai pas ma salle sur demande, donc je vous avoue que je suis un petit peu perdu. Voilà. Mais c'est pas grave, on va se téléporter là, et voilà. Ok, re tout le monde. Alors je vois qu'on est à 51 minutes, alors je vous propose qu'on fasse le cours et qu'on s'arrête là. Voilà, clairement. Donc on va faire le cours. Et... Ça va ? Qu'est-ce qu'il arrive ? Ok, on va faire le cours et on va s'arrêter là pour cette vidéo, 51 minutes, c'est déjà pas mal. Oui, je suis con, moi, tout à l'heure, je suis allé dans la serre de botanique, mais pourquoi faire, en fait ? Non, parce que dans ma tête, pour les potions, il fallait... Bah oui, non, mais je suis complètement con. Mais bon, c'est pas grave. Vous avancez sur vos devoirs ? Oh, oui, les serpentins. J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. Excellent. Vous êtes donc fin prêt à apprendre Repulso. Voyons cela. Concentrez-vous. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Vous avez compris. Repulso. Voilà. Là, on est bien. Action. Et je suis con. Attendez, on va essayer de tester. Ah non, alors déjà. Je suis heureux de voir la détermination dont vous faites preuve pour maîtriser vos sorties. Merci beaucoup. Ah, intéressant. Ok, on va faire des popos de soins. Travaillez encore à ce que je vois. C'est en recommençant encore et encore qu'on progresse. On peut pas taper une discute, non ? Vous êtes occupé ? C'est trop bien. Bon, on va en faire 3, écoutez. Hein. On va en faire 3. Il me faut 3 popos parce que là j'en ai plus du tout. Je peux en acheter, mais voilà. Hop, on va attendre et on va s'arrêter là. Bah écoutez, pour cette petite vidéo, voilà, j'espère néanmoins qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre... vous abonner et à lâcher votre meilleur pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure sur Hogwarts Legacy. Bye bye tout le monde et portez-vous bien. Ciao ciao.